Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes presque à mi-parcours du mandat confié au président Patrice Talon. Après 2 ans de gestion, de réforme, qu'a-t-on fait pour améliorer le cadre de vie des Béninois? Y a-t-il plus d'infrastructures routières pour permettre la libre circulation des personnes et des biens? Pour répondre à ces différentes questions, nous sommes dans ce studio deux invités de taille. Le premier, un membre du gouvernement, il a nom José Didier Tonato, il est le ministre du cadre de vie et du développement durable. Le deuxième représente son ministre dans ce studio, Jacques Ayadji. Il est le directeur général des infrastructures. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, pour m'accompagner dans l'animation de cette émission, Christian Adadejan de Canal 3 Bénin. Bonsoir, Christian. William Tchouki, bonsoir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va suivre cet élément quand même qui présente quelques actions phares menées au niveau des départements du cadre de vie et de développement durable. On va la régie. C'est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement, le projet asphaltage. Il consiste à donner un visage attrayant aux cités urbaines du Bénin. Il a démarré la réhabilitation des voies primaires, secondaires et tertiaires, des travaux de bitumage et de pavage. Il est à l'origine de l'opération de libération des espaces publics démarrée en décembre 2016. Les voiries entre moins de 15 mètres jusqu'à des voiries qui vont jusqu'à 80 mètres de largeur et accompagner ces réseaux de voiries par de l'aménagement, ce qu'on dit de façade à façade, donc avec des larges trottoirs, avec des espaces centraux, avec du mobilier urbain, avec de l'éclairage public. Des espaces verts centraux dotés de mobilier urbain, deux tronçons en ont déjà bénéficié à titre d'exemple, Ruiho et l'entrée du marché Misebo. Le vif des travaux de chaussée commencera 3 mois après, donc à l'été, pour se finir suivant les villes, entre fin 2018, d'autres en 2019, et puis Cotonou qui représente la plus grosse part de kilomètres, puisqu'il y a 235 kilomètres rien que pour cette ville, donc se terminera dans la troisième année. Cotonou, la belle laisse. Le projet asphaltage, c'est aussi l'assainissement pluvial, sortie Cotonou et d'autres centres urbains du cycle d'inondation. Un pan du projet confié à l'agence du cadre de vie pour le développement du territoire. C'est une surface de près de 50 km² sur les 70 que compte Cotonou qui sera ainsi drainée. Et donc ça va impacter la vie, le cadre de vie de près de 500 000 habitants à Cotonou. D'un coût global de 224 milliards de francs CFA, il est aujourd'hui à la phase des dossiers d'appel d'offres. Qui dit appel d'offres dit on recrute les entreprises pour réaliser. Donc il est prévu un démarrage au plus tard, au deuxième trimestre 2018 ou fin premier trimestre 2018, donc ça veut dire mars ou avril. De toutes les façons, le projet assainissement pluvial de Cotonou est très important pour le projet asphaltage. Donc on a besoin forcément de le démarrer dans tous les cas aussi rapidement si on veut faire le projet asphaltage et si on veut réaliser le projet de modernisation de la gestion des déchets dans la ville de Cotonou, dans le Grand Okoué. Évidemment, cette modernisation du système de gestion des déchets dans le Grand Okoué est au cœur des actions du PAG pour ces deux premières années de régime actuel. Une priorité du gouvernement pour garantir à tous un environnement sain. Il y a la collecte des déchets, il y a le tri et la valorisation de ces déchets. Et ce qui ressort de ce tri, qui ne peut pas être valorisé, on va l'enfouir. Mais on a une composante supplémentaire, c'est qu'on prévoit, si c'est possible, que cette partie de résidus soit valorisée, par exemple dans le cadre des dispositifs de méthanisation ou autre. Donc globalement, on couvre toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on prend les déchets au pas des portes, des maisons, et on les met dans des endroits sécurisés. Et déjà, il y a eu la réouverture du point de recoupement des déchets dans la ville de Cotonou, puis l'achat des camions neufs adaptés au ramassage des déchets dans la cité. C'est le lieu d'exprimer au nom de tous les maires du Grand Okoué et de toutes les populations représentées du Bénin, notre gratitude et toute notre reconnaissance au gouvernement de son Excellence,
Monsieur Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement, et à la Banque mondiale pour tous les efforts et sacrifices. Les 125 km de côte béninoise sont aussi débarrassés de déchets à travers l'opération choc de nettoyage des plages. Mieux, le gouvernement a pris à bras-le-corps la question de l'érosion côtière à l'est de Cotonou. Des ouvrages de freinage, des vagues en furie sont en cours d'érection. Nous avons fini avec l'ancrage de l'ouvrage, c'est-à-dire la partie qui permet à l'ouvrage de s'ancrer et de s'incruster dans le continent. Nous l'avons fini entièrement. Nous avons installé un certain nombre de structures, les pierres de fondation, les pierres d'assises, les pierres de noyau jusqu'au point métrique 160, c'est-à-dire le linéaire total de l'ouvrage qui fait près de 220 mètres. Nous avons construit le noyau sur près de 160 mètres en ce moment. Le noyau, comme c'est fait avec des pierres plus ou moins fragiles, il faut le protéger au fur et à mesure que nous avançons. Nous avons prévu également un revêtement à l'est de l'épi numéro 7, qui est le dernier ouvrage du système, c'est-à-dire l'épi de fermeture, où on observe donc depuis 2013, où l'épi a été construit, une érosion accrue sur ce segment. Un engagement fort du gouvernement dans le domaine de l'assainissement du cadre de vie des villes propres pour régler définitivement les questions de santé primaire des populations, gage d'un développement harmonieux et durable pour le Bénin. Monsieur le ministre, vous suivez avec nous l'élément témoin. Est-ce que selon vous, en 2 ans, le cadre de vie des Béninois a changé? Merci, monsieur le journaliste. En 2 ans, toutes les conditions sont remplies pour que le cadre de vie des Béninois change durablement. Quand je regarde cet élément, il me donne l'idée de la pointe d'un iceberg. C'est-à-dire que les actions qui ont commencé témoignent et annoncent l'immensité et l'ampleur de ce qui va emblaver dans les mois qui viennent la voirie, le logement, les marchés, la protection côtière, et j'en passe. Et ça augure de très bonnes perspectives. Merci. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons revenir à vous, Jacques Yaïdji, directeur des infrastructures au ministère des Infrastructures et des Transports. Si on fait le bilan de 2 ans, doit-on dire que le Bénin se porte également mieux en matière d'infrastructures? Merci. D'abord, je voudrais profiter de votre plateau pour apporter au nom de mon ministre empêché, qui m'a demandé de le représenter sur ce plateau, apporter le salut du président de la République au peuple béninois. Pour dire que le peuple béninois a fait confiance en un homme, lui a confié un mandat de 5 ans, et courageusement, cet homme, quelques mois après son accession au pouvoir, le 16 décembre 2016, pour le rappeler, a présenté un programme d'action du gouvernement. Donc, on peut dire qu'il n'était plus en situation de conquête du pouvoir. Il n'était plus en situation de campagne électorale. Et il a présenté aux yeux du peuple ce qu'il ambitionne de faire en 5 ans pour que, comme il a dit lui-même, il soit porté en triomphe en 2020. C'est vrai que son programme d'action a été présenté il y a pratiquement 15 mois. Mmh. Est-ce que ce qui est contenu dans ce programme est mis déjà en exécution? Je faisais cette introduction pour dire que, en fait, le président de la République doit être encouragé par le peuple béninois. Parce que si ces projets avaient été énumérés en février, ou en mars ou en janvier 2016, pendant qu'il était en compétition pour le pouvoir, on pouvait comprendre que c'était pour des questions électoralistes. Il est dans le fauteuil, il a dit, voilà ce que je vais faire en 5 ans. Vous me posez la question de savoir si tout se met en place pour qu'en 2021, le chef de l'État soit porté en triomphe. Je dis oui. D'abord, qu'est-ce que le président de la République s'est engagé à faire? Et à cette question, je réponds qu'il s'est engagé dans le domaine des infrastructures routières à exécuter 47 projets, dont 5
de construction d'ouvrages d'art. Ces 47 projets sont répartis en deux groupes. Il y a des projets phares qui sont au nombre de 21 et des projets prioritaires qui sont au nombre de 26. Quelle est la différence entre projet phare, projet prioritaire? Les projets phares, c'est les projets qui c'est la marque du gouvernement. D'accord? C'est des projets, bon, si on les réalise, on sait que ça, c'est le régime de la rupture. Les projets prioritaires, il y en a de deux types. Il y a des projets que nous avons hérités au 6 avril 2016. Ils sont au nombre de 16. Et il y a 10 autres qui sont de nouveaux projets que le chef de l'État a rajoutés dans son programme d'action du gouvernement. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet par rapport à ces différents projets phares, projets prioritaires, on va revenir au ministre qui parle tout à l'heure de la modernisation de la gestion des déchets. Depuis toujours, dans notre ville, je prends l'exemple de Cotonou, on a toujours mal géré les déchets. Aujourd'hui, vous pensez qu'on peut mieux les gérer pour éviter que la majeure part des déchets ne restent dans la ville, qu'on les sorte de la cité urbaine? Il y a toujours moyen d'améliorer. Mais vous me permettrez de prendre 2 minutes pour expliquer la méthode. Allez-y. La méthode, comme le disait mon ami Ayadi, qui est la marque du président Talon. Je comprends très bien, et c'est légitime, l'impatience du peuple béninois par rapport au démarrage d'un certain nombre de projets. Mais le cycle du projet, c'est un long cours. C'est l'identification, c'est la préparation, c'est l'évaluation, c'est l'approbation par les différents conseils d'administration des institutions de financement, mais c'est aussi des APS, dans le langage technique, avant projet sommaire. C'est des APD, avant projet détaillé, c'est le dossier de consultation des entreprises, et chaque étape est validée méthodiquement, avec des études de qualité. Et ça prend du temps. Pourquoi des études de qualité? Il faut éviter un certain nombre d'écueils qui nous ont frappés dans un passé récent. Les éléphants blancs. Les chantiers mal maîtrisés avec des surcoûts, des dépassements de coûts inacceptables. Non maîtrise des délais, non maîtrise des coûts. Déviance totale, dérapage, vous voulez dire, au niveau de ces chantiers-là. C'est ça qui a fait que, depuis le 16 décembre 2016, où le péage a été lancé, nous sommes rentrés méthodiquement et dans cette démarche. Aujourd'hui, nous avons bouclé toutes ces étapes. Et beaucoup de négociations de financement sont en cours. Vous savez, par exemple, pour revenir au projet de déchets dont vous parlez, oui. Nous sommes au deuxième appel d'offres, simplement parce que le premier a été infructueux, parce que les offres que nous avons reçues, nous ne les avons pas trouvées satisfaisantes. Le président de la République est très exigeant en matière de qualité. Nous avons dû relancer, et ça aussi, c'est des éléments qui rallongent un peu le délai de mise en œuvre des projets. Maintenant, le projet en lui-même comprend 3 composantes. La composante collecte qu'on voit souvent, c'est-à-dire le porte-à-porte, par les GIE, de ramasser le déchet de chaque maison, qu'on dépose dans les points de regroupement. C'est là où on regroupe dans les différents quartiers les équipements et les infrastructures qui ont été construites, l'ont été dans ce sens-là. Nous avons les points de regroupement. Ou, après les points de regroupement, nous avons les centres de transfert où vous avez des gros camions qui prennent et qui vont directement au lieu, ce que nous appelons le centre d'enfouissement technique CET, ou le lieu d'enfouissement sanitaire. Okay. Là, j'étais en train de décrire ce qui se faisait. Ok, d'accord. Aujourd'hui, dans la méthode, nous avons rajouté le maillon manquant, l'unité de tri et de valorisation. Okay. C'est-à-dire qu'entre la collecte des déchets et l'enfouissement, sur chaque site d'enfouissement sanitaire, nous avons un, jusqu'à présent, nous en aurons 2. Celui de Ouessé qui existe dans la commune de Huida sera réhabilité. On ouvrira un deuxième site à Tacon dans la commune de Misrété. Et chaque site sera doublé par une unité de tri-valorisation. Et nous avons l'intention de trier et de valoriser 70% au moins des déchets collectés avant d'enfouir les 30% qui restent. Ça, c'est notre objectif. Et le Bénin sera le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à se doter de cette taille de technologie. La valorisation, c'est la fabrique de compost. Et ensuite, le biogaz, si possible. Il a parlé à terme de méthanisation pour fabriquer du gaz méthane et consorts. Mais tout le dispositif est prêt.
vous avez vu passer cette semaine et la semaine dernière dans ce pays, BPI, qui est la Banque publique d'investissement de France, qui accompagne un certain nombre de partenaires impliqués dans le projet de gestion et de modernisation de déchets. Okay. Voilà le dispositif qui est en place. Mmh. Je crois que maintenant, la deuxième vague d'appels d'offres qui est lancée va être très concluante. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que cette opération démarre pendant le dernier trimestre de cette année. Mmh. Vous avez vu que le PUGEMU est terminé, mais la collecte des déchets ne s'est pas arrêtée pour autant. Nous avons réquisitionné les prestataires sur les institutions et chefs de l'État pour que les villes, particulièrement Cotonou, continuent d'être nettoyées. Donc ça continue, mais le processus qui va se mettre en place sera un processus beaucoup plus performant et qui permettra de régler définitivement, en tout cas au niveau de l'agglomération du Grand Lokwe, que vous connaissez très bien, qui comprend les communes de Porto Novo, de Semepodi, de Cotonou, d'Aboumé, Calavier, de Ouida, la question de la gestion des déchets. Mmh. Et c'est un modèle qui est prévu pour être après répliqué au niveau des autres centres. Des autres, justement, en dehors de ces unités qui seront mises en place, qu'est-ce qui est en train d'être fait en matière de sensibilisation de la population par rapport à ces déchets que ces populations-là produisent? Je prends l'exemple, par exemple, des sachets plastiques. On se rappelle, hein, au mois de novembre dernier, l'Assemblée nationale a voté une loi. Jusque-là, il n'y a pas eu de sensibilisation. La mise en application, ça se fera comment? Ça démarre en juin, ça démarre en juin parce que l'Assemblée a effectivement voté la loi le 3 novembre 2017. Le président l'a promulguée le 27 décembre 2017. Donc, 6 mois après, à savoir le 27 juin, la loi entre en vigueur. La sensibilisation se fait, si vous avez suivi, il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui nous appuient, avec qui nous travaillons, j'en ai reçu un certain nombre. La Direction générale de l'environnement et du climat mène également une sensibilisation. Nous avons reçu plusieurs acteurs qui commercialisent, importent ou s'apprêtent à fabriquer des sachets biodégradables. Vous avez dit s'apprête, ça veut dire qu'il n'y en a pas en plomb. Actuellement, si vous allez dans un nombre de supermarchés ou d'hôtels, vous verrez déjà des sachets biodégradables. Okay. Donc il y en a. D'accord. Il y en a, mais nous sommes en train de faire le point pour qu'au 27 juin 2018, c'est pas... dans quelques jours. C'est dans quelques jours, c'est dans moins de 2 mois, le dispositif soit prêt. Okay. Puisque au cordon douanier, nous mettrons un dispositif de contrôle, nous ferons des descentes sur le terrain. Ce qui va changer, ce n'est pas grand-chose. Ceux qui importent, au lieu d'importer du sachet plastique, vont importer du sachet biodégradable. Maintenant, nous accompagnons dans notre démarche l'installation d'un certain nombre d'usines de fabrication pour que la création d'emplois se fasse aussi ici, au Bénin, dans ce domaine-là. Mais par rapport à l'interdiction du sachet plastique et à la gestion des déchets dans notre pays, le dossier avance très bien. Alors, M. Yadji, c'est vrai que quand on parle de création d'emplois, dans votre secteur-ci, il y en a beaucoup qui seront créés. Vous avez parlé des projets phares déjà lancés. Est-ce que déjà vous pouvez énumérer quelques-uns de ces projets déjà qu'on a commencé et à quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Je crois que par respect au peuple souverain, je vais adopter une méthodologie de reddition de comptes. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que les projets étaient catégorisés en deux. Ok. Sinon en trois, les projets phares, les projets prioritaires en cours au 6 avril 2016 et les nouveaux projets prioritaires. Oui. Dans la reddition du compte que je fais au nom de mon ministre et pour le gouvernement, on va parler d'abord des projets prioritaires que nous avons hérités au 6 avril. Allez-y. Ils sont au nombre de 16. 16 au total. 16 au total. On ne va pas les citer forcément. Oui. Mais point linéaire qui avoisine les 300 et quelques kilomètres. Aujourd'hui, ces projets, nous les avons achevés à moitié, à 50%. Mmh. Il y en a d'autres parmi ces projets-là qui sont toujours en cours, mais revus. Si je prends par exemple le projet de la route des pêches, qui est un projet en cours au 6 avril 2016, ce projet a eu la chance d'être le seul projet routier à
avoir la visite du président de la République. Mmh. Et cette visite a porté ses fruits. Lequel? Le projet a été carrément redimensionné. Okay. Mmh. D'abord, il ne s'arrête plus aujourd'hui à Dunkor. Parce que lorsque nous avons montré au chef de l'État le point de départ du projet et son point final qui s'arrête quelque part sur le tronçon, oui. J'étais surpris. Mais pourquoi vous voulez faire une route d'Erevan jusqu'ici et arriver ici, qu'est-ce que les gens vont faire? Moi, je ne suis pas au pouvoir pour faire ce qu'il a appelé, pour nous faire rire ce jour-là, les fins goudrons. Donc, vous m'arrêtez ce projet tout de suite. Et si je n'ai pas de visibilité pour que ce projet quitte Erevan jusqu'à Ouida, eh bien, vous l'arrêtez. Oui. Ça a été suspendu. Et ça a créé des polémiques que on a suivi dans tout le à temps. Fait. Aujourd'hui, le projet a été complètement redimensionné. Et grâce au chef de l'État, grâce au régime de la rupture, nous aurons le meilleur boulevard du Bénin. Et la gestion de trafic aidant, nous avons procédé à une ouverture pour permettre à l'entreprise Ariotti de travailler du second côté, au niveau donc de la session entre Erevan et le carrefour de Fillon. Oui. Si on a fait un point aujourd'hui, vous êtes déjà à combien de kilomètres de réalisation? Bon, à quel pourcentage? Je vais donner le pourcentage, mais il faut comprendre que si on n'avait pas eu de difficultés liées et comment on appelle à la libération de l'entreprise aurait été très loin. Vous avez vu qu'on a libéré ces emprises-là il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Donc l'entreprise Ariotti évolue à pas de charge. Et comme il n'y a plus de problème aujourd'hui, ce chantier-là, il va s'achever dans les délais. Donc je ne vais pas annoncer un pourcentage pour que, bon, on dise que ça ne va pas, sachant qu'il y a eu des problèmes internes à l'administration, parce que c'est notre devoir de mettre le site à la disposition de l'entreprise. Si nous ne l'avons pas mis à temps, il faudrait que les responsabilités soient partagées. Moi, en tant que gestionnaire de projet, je vois que ce projet, il se déroule normalement et je n'ai pas de crainte. Donc, nous avons redimensionné le projet d'Erevan jusqu'à Dunkor. Et ensuite, on a trouvé du financement pour faire la session à Dunkor jusqu'à la porte de non-retour, okay. Plus les 4 hôtels qui permettent aux gens qui quittent Erevan qui n'ont pas besoin d'aller à Ouida, de pouvoir sortir de la route pour se retrouver peut-être à l'aéroport ou bien se retrouver au niveau donc de la RNI 2 s'ils veulent continuer vers le nord. Est-ce qu'on peut savoir à peu près quand est-ce que ce projet va prendre fin pour permettre aux populations bien sûr je pense de ne plus que, faire le tour? Je pense que jusqu'à la fin de l'année prochaine, début l'année 2020, ce projet sera achevé. Alors, je parle de la phase 1, 2, comment on appelle Erevan à Dunkor. Mais pour l'autre, qui quitte à Dunkor pour aller à la porte de non-retour. À prendre de non-retour et les bretelles, il va démarrer en août. Ok. De cette année. De cette année. Okay. Parce que tout est fin prêt, l'entreprise est connue, le financement est maîtrisé, le consultant qui va faire le contrôle et l'assurance des travaux est recruté. Je pense que tout est fin prêt pour que ce projet démarre. Okay. Ça, c'est la route des pêches. Si je prends le projet Calavicota qui va à Kourou-Kodji en passant par Hévier, eh bien, on a revu parce qu'on est passé de 2x1 voie à 2x2 voies. Okay. C'était 2x1 voie qui était prévue au départ. On a fait 2x2 voies. Et ensuite, le segment qui quitte Ouedo pour aller à Toribosito n'était pas prévu avant. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des dispositions pour l'inclure dans le projet initial de l'entreprise qui est là. Si nous allons, par exemple, sur la traversée de Parakou, oui, qui était en cours également au 6 avril 2016, nous avons été amenés à faire des efforts pour mobiliser du financement
complémentaire parce que le financement n'était pas complètement achevé et bouclé okay. avant que les travaux ne commencent. Il peut arriver qu'on démarre un projet avec une mobilisation partielle du financement. Je dis simplement qu'on a dû faire des efforts au niveau donc de la Banque africaine de développement pour avoir 8 milliards supplémentaires pour pouvoir conduire ce projet-là. Ok, d'accord. Doit-on dire que le financement est totalement bouclé à ce niveau et les travaux se déroulent normalement? Normalement, et puis ils seront réceptionnés d'ici là. Alors, même chose sur comme le Kosa Dobo. Comme le Kosa Dobo, où les travaux étaient en cours au 6 avril, mais avec financement non bouclé, le gouvernement a fait l'effort qu'il faut pour boucler ce financement-là. Voilà. On doit donc retenir qu'en ce temps où des projets ont été arrêtés, il fallait les redimensionner, il fallait voir et procéder également à la recherche de financement complémentaire pour leur achèvement. Et c'est ce qui a été fait. En tout cas, oui. Tous les projets que le gouvernement actuel a hérités au 6 avril 2016 ont été pris en charge et 50% de ces projets sont achevés. Le reste est encore en cours, je vous ai parlé de la route des prêts qui n'est pas achevée, etc. D'accord. Mais je vais plus vous parler de Savalou Tchiteti, vous avez de Nazoué qui sont des projets On va revenir tout à l'heure, puisque vous allez nous parler maintenant des projets phares. Le temps d'écouter le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, vous êtes venu, vous nous avez dit que vous allez construire pour des Béninois plus des milliers de logements. Jusque-là, on n'en a pas vu un seul sortir des terres. Des effets d'annonce, on dirait. Non, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, c'est nullement des effets d'annonce. Je peux vous rafraîchir la mémoire en disant que de 1960 à 2016, on n'a pas construit 5000 logements dans ce pays. Et que de 2016 à 2021, nous allons en construire 20 000. Mais de 2016 à 2018, aujourd'hui, aujourd'hui, je l'ai dit, il faut trouver les sites, il faut les sécuriser. Okay. Et aujourd'hui, le site de Ouedo, c'est connu, c'est sécurisé, la déclaration d'utilité publique est faite, le processus de sécurisation est en cours. Il en est de même à Porto-Novo, il en est de même à Parakou et dans les chefs-lieux de département. Je voudrais dire, si vous l'avez pas remarqué dans ce que disait M. Ayadi, tous les anciens projets, déjà, que le président Talon récupère, il les redimensionne selon l'ambition qu'il a pour ce pays. Et donc la mise en œuvre rigoureuse de l'agenda spatial du Bénin justifie tous les réajustements qui ont été faits. Il en est de même pour les logements aussi. Aujourd'hui, sur Ouedo, nous aurons à peu près 10 000 logements. Et à la date où je vous parle, j'ai le dossier de consultation des entreprises. Donc je suis prêt à lancer l'appel d'offres. J'ai le financement de la BOAD de près de 25 milliards qui est bouclé. J'ai un financement de la Banque Islamique de Développement en BID du double, 41 milliards 500, qui sont en cours d'instruction. Nous aurons la décision bientôt. J'ai le groupe chinois Polytechnologie qui s'engage à en construire 500. Et ne serait-ce que dans cette semaine, j'ai reçu des manifestations d'intérêt, y compris d'opérateurs privés. Nous avons reçu avec le chef de l'État le groupe anglais qu'on appelle James Cubitt. C'est des spécialistes de construction de logements. Il faut dire que le montage financier de notre opération de logement séduit toute l'Afrique. J'étais dans un forum organisé par la Banque mondiale à la BOAD à Lomé. Vous savez, avant, pour accéder à un logement, il vous faut un apport initial. Souvent, on parle de 25%, de 30%. Nous avons fait une opération en créant une société immobilière et d'aménagement urbain dans laquelle l'État est actionnaire minoritaire avec un partenaire technique de référence, avec une dizaine de banques et de compagnies d'assurance du Bénin qui sont des actionnaires et la BOAD également comme actionnaire. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que l'acquéreur final entre en possession de son logement sans payer d'apport initial. Il rentre dans son logement comme on rentre dans une maison en location. Il commence à payer un loyer qui est garanti au mois d'entrée, un loyer mensuel comme tout le monde. Au mois d'entrée, garanti par une institution bancaire à 0,5%. Il devra verser d'abord une caution. Il n'y a pas de caution à verser. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Ce qui est à payer, c'est son loyer mensuel, qui est garanti, je vous le dis, notez bien le taux, à 0,5% par une institution bancaire. Ça veut dire que le jour où cet acquéreur est défaillant, la banque supplée son insuffisance et continue de payer.
Alors, on a cassé la tête dans tous les pays du monde. Ce montage-là nous vient du président Talon. Et c'est là aussi l'une des aptitudes d'un homme d'affaires, de réfléchir à un problème qui est posé. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à un logement pour les gens qui n'ont pas des économies, pour faire une mise initiale, pour faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est un programme qui attire tout le monde. Je vous l'ai dit, nous lançons l'appel d'offres sur la tranche BOAD le mois prochain, début mai. Et on aura combien de logements sociaux, monsieur le ministre ? Nous aurons, sur le site de Wado, je vous l'ai dit, 8 000 logements sociaux. 8 000 ? 8 000 logements sociaux, mais le programme est conçu pour 20 000 logements. Nous aurons sur un site comme Parakou 500 logements sociaux parce qu'il ne s'agit pas de refaire du saupoudrage, de jeter des logements sociaux dans la brousse. Il y a quand même des trucs qui sont construits. On fait quoi de ces logements sociaux à Parakou, à Avrancourt ? Il y a un audit méthodique qui est en cours pour faire le point de ça. Vous savez que dans ce pays, il y a des logements qui sont construits dans des zones qui ne seront simplement pas viabilisées avant 20 ans, 30 ans. Une petite ville, je donne l'exemple comme Grand Popo, où vous mettez un logement à 20 km du centre-ville, il faut des infrastructures, il faut de la canalisation, électricité, eau, sur 20 km pour aller desservir sans logement. Économiquement, ce n'est pas tenable. Toutes ces questions-là ont été minutieusement réglées. La localisation du site d'accueil des logements. Ça a fait que nous avons rejeté certains sites proposés par certaines communes et nous sommes encore en négociation avec ces communes-là pour avoir le site adéquat parce que ça existe. C'est pour donner toutes les chances de viabilité à nos logements et je peux vous garantir pour le niveau de confort qu'on apporte et les prix qui sont annoncés, ça va partir comme de petits pains. 20 000 logements, c'est comme une goutte d'eau dans la mer de ce que nous, des besoins au Bénin. Nous avons fait le calcul, les besoins sont à 320 000 logements sur les 5 ans qui sont devant nous. Mais dans le même temps, nous nous accommodons un cadre institutionnel pour accueillir des promoteurs privés qui respectent le schéma que propose le gouvernement. Ces promoteurs privés vont rentrer en négociation avec la CIMO pour proposer leurs produits et vont être comme des promoteurs et immobiliers et en partenariat avec la CIMO pour produire des logements. Parce que l'État donne le signal, amorce la pompe et crée l'environnement incitatif pour que d'autres privés qui savent mieux faire que l'État viennent intervenir. Alors, je peux vous garantir que le programme de logement est définitivement sur de bons rails et vous allez voir. Le premier coup de pioche, ce sera pour quand ? Alors, si je vous dis qu'on lance l'appel d'offres début mai, avec les processus de recrutement, les procédures de la BOAD et le code des marchés publics du Bénin, théoriquement, nous voulons lancer le premier coup de pioche en juillet. Juillet 2018. Juillet 2018. C'est dans quel point ? Je ne peux pas être plus précis que ça. Mais nous travaillons sur une feuille de route comme un rétro-planning pour respecter ce délai-là. Alors, monsieur, c'est vrai que c'est bon d'avoir des logements, mais il faut aussi des voies pour y accéder. Je vais parler de Bitéou Tchaourou. Vous voulez toujours rester ou non ? Allez-y. Frontière du Nigeria. Vous savez, ce projet Bitéou Tchaourou de 67 km était en cours le 6 avril sur financement privé mobilisé par l'entreprise OGA Satom, alors qu'il y a la Maïs Fagui Développement qui était prête à financer le projet. Lorsque le gouvernement actuel est arrivé, il a décidé de revenir au financement de la BID. Mais avant de prendre cette décision, l'entreprise Soja Satom avait déjà perçu l'avance. Donc nous avons limité les travaux dans l'enveloppe de l'avance. Aujourd'hui, les populations sont inquiètes et c'est le moment de leur dire que la dizaine de kilomètres réalisés ne signifie pas la fin de l'aménagement de Bitéou Tchaourou. Pas plus tard qu'en février, le président de la République nous a envoyé en Arabie Saoudite pour aller débloquer définitivement ce projet-là. Et d'ici à là, nous allons lancer l'appel d'offres pour recruter pour la suite. L'entreprise pour faire la suite. D'accord. Je tiens à le dire. Cela dit, il faut qu'on parle maintenant des projets que le gouvernement a lancés. Vous avez posé cette question. Le projet estampillé Patrice Talon.
Alors, il faut dire qu'en moins de 2 ans, nous sommes à peu près à 450 km lancés. À 450 km lancés. Lancés. Réellement. Pas encore achevé. Non, on peut pas, on n'achète pas un projet routier, ne s'achète pas. D'accord. Si un de vos collègues m'avait demandé quels sont les projets démarrés après l'avènement du président de la République et achevés à la date de l'émission, ouais. J'avais dit zéro. Et ça a fait l'objet de polémiques. Alors que c'est la réalité, un projet routier, c'est pas en deux mois, c'est pas en une seconde. Ouais. Donc, c'est des projets que nous avons lancés qui sont en cours, en moins de 2 ans. Vous ne pouvez rien faire de durable sans avoir réfléchi sur la chose, sans avoir conçu la chose correctement. C'est pour ne pas avoir des morts, comme nous avions eu dans le bas-fond de Womé, lorsque, en 2010, on a voulu réaliser le pont que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui après des études approfondies. Lorsqu'on avait voulu réaliser ce pont-là sans études, et on l'a commencé quand même, eh bien, le résultat, c'est qu'il y a 7 personnes qui sont mortes, et puis le projet s'est arrêté. Le président Patrice Talon n'est pas dans ce schéma-là. Il faut prendre le temps pour étudier. Donc, que ceux qui... Est-ce que c'est l'étude alors qui prend véritablement le temps? Les études... Ce qui fait que nous constatons aujourd'hui que, bon, les choses ne bougent pas. Non, non, qui sont ceux qui constatent que les choses ne bougent pas? Les populations à qui je m'adresse savent que les choses bougent. Si vous allez à Calavi et vous voyez que, bon, les travaux sont en train de s'exécuter, si vous allez à Boukoumbé pour aller voir Natengou, Boukoumbé, Corontière, les gens savent que ça se fait, ça vit. Allez à Porte-Nouveau. Ça fait plus de 30 ans que le département de l'OME est oublié par tout le monde. Alors justement, si vous permettez, on ira rapidement à la régie. On va suivre ce terrain quand même qui présente un peu les projets, les actions qui sont mises sur le terrain par rapport aux infrastructures. Puis on revient en plateau. C'est en décembre 2016 que Patrice Talon et son gouvernement, documents et chronogrammes à l'appui, ont dévoilé aux Béninois et au monde leur programme d'action pour la période allant de 2016 à 2021. Dans le domaine des infrastructures et des transports, 42 projets sont prévus, dont 18 projets phares et 24 prioritaires. À l'heure du bilan à mi-parcours, plusieurs projets ont démarré sur le terrain. Des 24 projets prioritaires, il y a 15 qui étaient en cours d'exécution le 6 avril 2016. Avec des niveaux d'exécution donnés, des niveaux de mobilisation de financement donnés. Je prends la route des pêches. Vous savez, tel que c'était conçu au départ, le chef de l'État a dit « Niet, moi je veux des routes plus modernes que cela ». Et ça a entraîné la suspension des travaux pendant de longs mois pour nous permettre de redimensionner le projet pour le mettre à un niveau compatible avec la vision du chef de l'État. Ce qui a induit un renchérissement des coûts de l'ordre de 9 milliards de francs CFA. Ce chantier de la route des pêches, le voici. Un imposant joyau qui se dresse le long de la mer. Sur ce chantier, pas de répit pour l'entreprise qui parie respecter le délai contractuel sous l'œil vigilant de la mission de contrôle. Le marquage topographique montre que le noix est déjà autour de 4,7 km sur 13,2 km qui est notre point final. Donc vous pouvez à peu près voir que ça évolue. Même réaménagement sur le tronçon Calavipota-Kokokodi. Sur ce chantier, l'entreprise Ebouma fait à la manette. Les populations qui ont connu quelques dommages suite à la libération de l'emprise de la voie suivent avec attention le déroulement des travaux. Ce qui était prévu au 6 avril 2016, même si les travaux n'avaient pas démarré, il y avait quand même un marché que nous avons hérité. Mais qui prévoyait une fois deux voies sur Calavikota jusqu'à Kokodi. Le président de la République a dit que Calavi mérite mieux que cela et a redimensionné ce projet pour le mettre à deux fois deux voies
avec le dédoublement du pont au niveau de Rayvier. De la même manière, le segment qui va de Wedo jusqu'à Toribosito, le chef d'État a décidé que nous puissions aménager ce segment-là. À Parakou, avec le projet du transport urbain, encore appelé contournement et traversée de la ville, comme dans le Monokoufo, avec le tronçon Komelokosa-Dogbo, le gouvernement a fait diligence pour boucler le financement, soit 17 milliards environ, pour conduire à terme les travaux. En plus de ces projets prioritaires, d'autres ont été lancés par le gouvernement de la Rupture, le cas de la route Bukumbe-Korontière, frontière du Togo, où l'entreprise en charge des travaux travaille à relever le défi. De part donc les réalisations que nous avons eues à visiter sur le terrain, surtout donc les ouvrages et l'importance donc des travaux et de leur délicatesse, de leur complexité, nous pouvons affirmer que vraiment l'entreprise est en train d'exécuter donc les travaux et avec compétence et nous a donné une certaine satisfaction. Même diligence avec l'entreprise en charge des travaux de bitumage de la route Kovek-Panouien passant par Gbaname, à la grande satisfaction des populations qui suivent de près les travaux en cours. Le chantier a été démarré parfaitement. Bon, le problème qu'il y a, il faut que ça aille vite. Et la voie Panouien-Kovek qu'on veut nous faire, ça va faire qu'on va bien vendre. Avant, la voie était gâtée. Et maintenant qu'on veut faire ça, nous sommes contents. Chaque fois, les patrons parlent, ici va marcher, ça ne marche pas, maintenant c'est marché. Vraiment, j'ai vu que c'est bon. Merci bien le président, M. Talon. Non loin de là, les travaux de bitumage de la route Dassa-Savalou-Bassila-Djougou. Seulement qu'ici, l'entreprise tarde à rendre concret les vœux des populations et des autorités béninoises. Globalement, nous sommes à moins de 3%. Pour un avancement de délai de plus de 10%. Donc ça peut paraître inquiétant, mais avec des chaussées de 86%, nous pensons que quand les chaussées vont démarrer, on va rattraper ce gap-là. Nos sentiments sont plutôt donc des sentiments d'insatisfaction, ne serait-ce que pour le moment. Étant entendu, le délai déjà donc consommé et le niveau auquel se situent aujourd'hui donc les travaux. Sur la route Port-Novo, à Promisrété pour Béadjawere-Wenki. L'entreprise en charge des travaux est à la tâche. Après les piétinements au lancement du chantier, les travaux évoluent désormais à un rythme appréciable. Aujourd'hui, tout est dans l'ordre et l'entreprise est dans une très bonne dynamique d'avancement des travaux. Il y avait des craintes des populations, mais aujourd'hui, l'entreprise Ofmas que nous avons missionnée sur ces travaux-là est en train de prendre les taureaux par les cornes et je pense qu'elle va relever le défi. L'autre grand projet lancé il y a peu, c'est la boucle Tofo-Lalo, Lalo Agbanizon, Agbanizon Abomé, Abomé Djidja. Du rêve à la réalité, c'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. C'est un rêve de longue date qui vient de prendre corps et qui mettra un terme aux nombreuses difficultés liées à l'état de dégradation et d'impraticabilité. L'impraticabilité des routes. À côté de ces infrastructures, des ouvrages de franchissement sont en cours d'exécution. À Womé, l'entreprise en charge de la construction du pont est à l'œuvre, ainsi qu'à Tovek-Bamé, où ce vieil ouvrage va bientôt céder place à un autre plus grand et plus moderne. Des chantiers routiers qui fleurissent au rythme du chronogramme prévu dans le programme d'action du gouvernement. D'autres le seront bientôt, promet l'autorité en charge des infrastructures. À Glodjigbé, l'aéroport qui est prévu pour y être érigé n'est pas du reste. Aujourd'hui, on peut dire que les travaux ont commencé. Les ouvertures de voies sur le chantier se font et qu'à cela, les présumés propriétaires sont en train d'être indemnisés. La RNI 2, déjà, où il faut quitter Koko-Kodi et venir jusqu'à Kpota, ici, et vous avez vu que l'ouverture des voies, etc., est en train d'être faite avec pas mal de difficultés, mais on y est quand même. Révolutionner le réseau routier national et doter le Bénin d'un nouvel aéroport, c'est l'ambition du gouvernement qui s'emploie à respecter son engagement pour redonner espoir au peuple.
Alors, M. Yadji, vous avez vu avec nous l'élément témoin qui retrace un peu quand même les actions que vous menez sur le terrain, mais il y a quand même un chantier sur lequel vous n'êtes pas content, vous et votre ministre. C'est la voie d'Assa Savalou, Bassila Djougou. Pourquoi vous n'êtes pas content? Les travaux piétinent apparemment. Bon, l'entreprise n'évolue pas. Et bon, c'est du factuel, on l'a constaté sur le terrain. Et dès que nous sommes revenus à Cotonou, j'ai pris mes responsabilités, j'ai quand même adressé une lettre de mise en demeure à l'entreprise et à la mission de contrôle même pour que ces deux acteurs comprennent qu'ils doivent se mettre dans la même barque que le chef de l'État pour rendre effectifs sur le terrain les projets que nous avons planifiés et que les populations attendent. Est-ce que dès lors, les choses ont bougé? Les choses ne peuvent que bouger. Donc, si ça ne bouge pas, nous sommes là pour amener l'entreprise à se remettre sur les rails. OK. Alors, M. le ministre, le projet asphaltage, c'est aussi quand même des routes qui seront construites dans les cités urbaines. Cotonou, par exemple, on a dit que c'est plus de 250 km de routes. Jusque-là, on n'a pas encore eu le premier coup de pioche et les gens s'impatientent. Je ne veux pas répéter chaque fois que nous sommes en train de faire des études. Je vais vous rendre compte du niveau où on est rendu à la date d'aujourd'hui et expliquer pourquoi le projet asphaltage. Asphaltage, c'est un nom de baptême donné par le chef de l'État qui provient de l'asphalte, mais il s'agit d'un projet de réhabilitation et d'extension de voiries et d'assainissement dans nos villes. 9 villes sont en cause. Globalement, 600 km sont concernés. Pour toutes les villes. Il s'agit d'aménagement de façade à façade. Okay. Quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez très bien qu'on quitte la clôture d'en face, on vient jusqu'à la clôture d'ici. On a la chaussée, on a les terres-pleins centraux, on a les trottoirs et on a les accotements qui sont aménagés et les espaces verts. En plus de ça, vous avez vu, on a commencé à faire quelques espaces verts témoins. On a passé le temps à admirer les images de Kigali sur le net, mais ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas très loin de Kigali et ça préfigure ce que va être le projet asphaltage. Parce qu'on dit qu'il y a trop de maquettes. Nous aurons plus de maquettes aujourd'hui, mais voilà. Des projets pilotes réels. Okay. Allez à Ouiran, vous verrez que ce n'est pas une maquette. Tout à fait. Vous allez à Missebor, vous vous rendrez compte très bien. Nous aurons les chaussées, les trottoirs aménagés et les accotements. Mais en plus, nous aurons du mobilier urbain pour la première fois dans notre pays, c'est-à-dire des poubelles et des banquettes. Nous aurons des équipements de sécurité, tout ce qui est aménagement de carrefour en feu tricolore et surtout également en plots de sécurisation. Vous voyez dans certains pays, quand le piéton s'arrête et doit s'engager sur la chaussée, sur le passage clouté, il y a des plots qui le protègent contre d'éventuels dérapages de voitures, des choses comme ça. Tout ça sera mis en place. Nous sommes dans un premier lot, première phase de 200 km pour à peu près 310 milliards de francs CFA, mais sur toutes les 9 villes. Pourquoi une première phase? Une première phase parce qu'on ne peut pas mettre toute une ville en chantier. Vous savez, avant de lancer ces deux, et les appels d'offres sont en cours, on a lancé l'appel d'offres voirie assainissement que nous allons rentrer le 11 mai prochain. Quand vous voulez lancer des travaux dans une ville, surtout que ce n'est pas en rase campagne comme pour les infrastructures et les transports, il faut étudier méthodiquement les déviations pour que les gens subissent le minimum de désagréments possible. Si vous mettez la moitié d'une ville en chantier, vous allez tout foutre en l'air. Non seulement les gens seront mécontents, mais ça va retarder énormément le rythme des travaux. Donc il y a une taille critique qu'il faut avoir. Les gens ont dit, on a dit que non, il n'y a pas assez d'argent, ce n'est pas le cas. Le programme d'asphaltage suscite tellement de succès simplement parce qu'il permet une meilleure gestion urbaine et un développement des services urbains comme la collecte dont j'ai parlé tantôt, le transport public qui va arriver aussi parce que quand on va finir de faire l'asphaltage et tout ça, il faut régler les autres problèmes urbains. Donc ça se déroule très bien. La voirie et l'assainissement sont lancés. Le mois prochain, c'est-à-dire début mai, nous lançons ce que nous avons appelé les lots supplémentaires, les espaces verts, l'éclairage public qui sera entièrement de l'éclairage public solaire, mais du solaire de dernière génération, avec des plaques auto-lavables, avec des batteries qui supportent notre milieu tropical, qui ont une durée minimale de 10 ans. Tout ça sera garanti sur cette période-là. Ça veut dire que s'il y a une batterie garantie qui tombe en panne,
il est automatiquement remplacé par le prestataire ou sa garantie bancaire qu'il a pris ou sa caution qu'il a pris auprès d'une banque. Donc il y aura de l'éclairage public sur tous ces axes-là. Et nous balayons 9 villes. Le projet asphaltage est déjà pas encore dans les études. Nous avons fini. Vous avez compris que les études techniques sont terminées pour les 600 km de voie. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase des appels d'offres pour que les travaux démarrent. Démarrent, que les Béninois commencent. Et pour faire voir au Brunet, les faire patienter, nous avons fait quelques démonstrations. Et notre impression, c'est que les Béninois reçoivent ça très bien. Nous aussi, nous sommes dignes de ça. Et nous allons, avec le concours de tout le monde, changer l'image de nos villes. Le cadre de vie est au cœur du pilier que vous connaissez bien, l'amélioration des conditions de vie minimale. C'est un ministère transversal. Nous sommes un ministère transversal. Et il y a beaucoup de secteurs intégrés dans le cadre de vie. Nous travaillons avec tout le monde. Tout le volet environnemental ne concerne pas que nos projets. Le volet environnemental concerne les projets d'infrastructure, les projets de santé, les projets d'éducation, les projets culturels et touristiques. Et nous travaillons à délivrer rigoureusement à tout moment les certificats de conformité environnementale adossés à des plans de gestion environnementale simplement parce que aucun partenaire financier, aucun bailleur sérieux ne décaisse un franc en l'absence du certificat de conformité environnementale. Donc nous avons l'obligation. Et le ministre d'État chargé du plan nous a écrit pour dire non seulement il faut le faire pour les projets financés par les bailleurs, mais il faut généraliser ça aux projets financés directement par le budget national. Nous nous sommes imposés ça maintenant. Okay. Et nous travaillons selon les normes environnementales de sauvegarde connues de tous. Le gros chantier sur lequel on vous attend également, c'est la modernisation de nos marchés. Il est annoncé la construction de marchés urbains et de marchés régionaux, le marché de détail, le marché de gros, un peu de tout. Quelles sont les explications que vous donnez à vos concitoyens aujourd'hui sur ce qui est fait jusque-là? Monsieur le ministre. L'activité commerciale, l'activité marchande, nos marchés constituent l'âme et le cœur de l'animation de nos villes. Tout le monde connaît le rôle fondamental que joue le marché d'Antokpa dans l'agglomération de Cotonou et dans la région méridionale du Bénin, dans la sous-région ouest-africaine. Ce marché dysfonctionne aujourd'hui simplement parce qu'il déborde, il est à l'étroit, il est mal aménagé. Il est au cœur de la ville et il crée plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Nous avons réfléchi et apporté à ce problème de marché d'Antokpa trois solutions. La première, c'est que dans aucune ville au monde aujourd'hui, l'activité de gros ne se mène au cœur de la ville. Il faut mettre l'activité de gros en périphérie et nous sommes en train de travailler à l'émergence d'un marché de gros qui va être une véritable plateforme agroalimentaire sous-régional, à l'image de tout ce que vous connaissez. Ceux qui vont en France connaissent bien le marché de Rungis, tout à fait, qui dessert toute l'Europe. Et nous aurons à Calavi un marché de gros digne de l'Afrique de l'Ouest. Ce sera le tout premier. Il est très proche de la zone aéroportuaire et de toutes les grandes infrastructures qui s'implantent sur le plateau d'Abomey-Calavi. Nous aurons ensuite la rénovation d'un certain nombre de marchés urbains dans Cotonou. Pourquoi une rénovation? Parce qu'il y a quand même une part de vendeurs de Dantokpa qui font du commerce de détail. Le commerce de détail, c'est le commerce de proximité. Ceux-là, il faut les maintenir à Cotonou. Nous travaillons aujourd'hui. Mais ils seront là, ou pas? Ils ne seront plus à Dantokpa. Ça veut dire que le marché ne va plus rester là? Le jour où le chef de l'État a reçu les commerçants et les acteurs du marché de Dantokpa, il leur a dit que même si on laissait le marché de Dantokpa en place aujourd'hui, dans 5 ans, personne ne pourrait plus y vendre. Dans 10 ans, personne ne pourrait plus y tenir parce qu'il faut que l'acheteur trouve le moyen de venir jusqu'à vous. Hein? Il faut que quand il y a un incendie, il y en a eu des masses, il faut que le sapeur-pompier trouve le moyen de venir jusqu'à vous. Et tout ça fait qu'il faut séparer les fonctions. Vous avez compris qu'en parlant de marché de gros, la fonction marché de gros est séparée et déportée sur le plateau, sur le marché de gros du Calavi. La fonction de détail va rester dans Cotonou et redistribuer. Nous avons à la ronde autour du marché d'Antokpa, dans un rayon de 1,5 km, une trentaine de marchés secondaires qui sont mal aménagés.
Et nous les réaménageons à l'image d'un marché comme Trècheville, où on fait une grande râle et on crée deux niveaux. Ouais. Ça fait que nous doublons pratiquement de plus de 10 000 places supplémentaires que nous apportons dans l'aménagement des marchés secondaires. Nous avons présenté le plan la dernière fois aux vendeuses du marché. Elles étaient stupéfaites, elles étaient très contentes. La troisième solution, c'est que nous arrivons quand même sur une solution adaptée au commerce du noble. Ce que nous avons, le commerce noble à Dantopa, c'est les tissus, les bijoux, oui. Les cosmétiques. Et où nous faisons sur l'esplanade, un mall de Cotonou qui va accommoder à peu près 1000 boutiques ensemble, dans un ensemble, où ceux-là pourront s'installer confortablement pour vendre. Et si demain, il n'y a plus personne qui vend à Dantopa, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de problème, l'activité commerciale va être normalement déportée là où le gouvernement aura décidé qu'elle se déroule. Mais il a dit ce qui amène l'échec des déplacements de marché, c'est quand vous faites preuve pas suffisamment de rigueur. Vous faites semblant de déplacer, mais vous maintenez une forme d'activité sur place. Ça fait que certains sont là, continuent d'utiliser le fonds de commerce, alors que d'autres sont lésés et sont déportés. Je prends seulement même un seul marché. Si vous prenez un marché à deux niveaux et que vous vendez de la tomate au rez-de-chaussée et que vous permettez, vous envoyez certains tomates à l'étage, ceux qui sont à l'étage ne vendront jamais. Il faut que pour acheter de la tomate, on aille à un seul endroit. Il faut que pour acheter du poisson, on aille à un seul endroit. C'est pourquoi ces marchés-là seront dotés d'un système de gestion qui sera évalué. Nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui sur le dispositif institutionnel. Donc, la solution commerciale, nous arrivons dans un premier... dans une première phase avec 20 des 35 marchés qui seront livrés à fin 2019. Compte tenu de leur taille, les marchés, c'est un chantier de 6 à 12 mois. Donc première phase, 20 marchés, et deuxième phase, les 15 qui restent. Dans le même temps, nous avons regardé un peu le territoire pour voir quels sont les marchés régionaux qui ont une certaine importance, une certaine envergure, et qui desservent les populations à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons intégré des marchés régionaux comme Webo, comme Glazoué, comme Azové, comme Djougou, et nous sommes en train d'identifier d'autres, pour qu'en même temps que nous réglons la question de l'activité marchande à Cotonou, le territoire soit suffisamment maillé d'équipements marchands bien aménagés, avec des zones de stockage, avec des zones de parking, avec des zones d'infirmerie pour soigner les gens. Il y aura une garderie sur les marchés de Cotonou pour garder les enfants pour les bonnes dames. Pour la première fois, il y aura deux batteries de toilettes pour que la concurrence s'établisse en matière de gestion des tenanciers de ces toilettes-là, pour qu'il y ait la propriété. Pourquoi est-ce que les gens font ce que vous savez, font leurs besoins dans les sachets? Les jettent dans deux mois, il n'y aura plus de sachets, ils vont faire comment? Donc, il faut régler ces problèmes-là correctement. Nous lançons le premier chantier des marchés le 1er juillet. Nous lançons le deuxième chantier le 1er septembre. Nous avons des plannings que le chef de l'État surveille tous les jours pour que les choses soient tenues. Voilà un peu la solution qui arrive. Et quand nous avons fini de présenter, nos partenaires du marché, avec qui nous continuons de discuter d'ailleurs, sont convaincus que nous apportons là, à l'échelle et à la taille de l'agglomération de Cotonou, une solution durable. Et là, ça permettra certainement à la berge de mieux respirer. Ça permettra à la berge de respirer. Ouais. Ça nous permettra de ne pas polluer le plan d'eau et d'avoir l'exportation de nos crevettes suspendues par l'Union européenne. Avec le contournement, nous découlons de l'aménagement de la berge lagunaire également, avec une voie. On l'appelle corniche dans certains pays, nous l'appelons voie lagunaire, autour et le long de laquelle vont se développer des activités de loisirs, des activités de commerce, mais de commerce de haut standing, des activités de bureau. Vous savez, dans une ville, le fond de mer, le fond de rivière ou de lac, ça coûte cher, ça a de la valeur. Il faut permettre que les gens y aillent et que ce soit une zone extrêmement propre. Vous voyez un peu l'articulation qu'il y a entre le projet de modernisation des déchets, l'aménagement des marchés, l'asphaltage et je dirais aussi l'assainissement pluvial de Cotonou pour laquelle on a fait
la table ronde de Paris le 17 janvier, nous sommes partis demander 224 milliards de francs CFA. Du coup, nous l'avons bouclé à plus de 106%. Vous en avez mobilisé alors plus. 106%, simplement parce que nous y sommes allés avec les études définitives, les études APD bouclées. Généralement, quand les gens appellent les tables rondes, ils n'ont même pas fini les avant-projets sommaires. Et la banque, les partenaires, il y avait 6 partenaires financiers, ils ont été extrêmement surpris par la qualité de la préparation que nous avons apportée à ce projet, qui complète avantageusement le projet d'asphaltage et qui résout définitivement la question de l'assainissement pluvial vis-à-vis de l'inondation. Et si j'ajoutais par exemple l'érosion côtière, j'aurais réglé notre démarche de résilience vis-à-vis des changements climatiques. Oui. Vous savez que l'érosion côtière et l'inondation sont pour nous aujourd'hui les deux grands problèmes qui nous découlent des changements climatiques et que nous devons régler en implantant des infrastructures durables. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes au niveau de ces projets-là. J'aurai l'occasion. Justement, il y a une corrélation entre tous les projets, c'est ce que nous constatons. Et nous allons revenir aux infrastructures. Et vous demandez, Jacques Ayadji, à quoi devons-nous attendre aujourd'hui en tant que Béninois par rapport aux réalisations présentes et futures du PAG? Vous allez vous attendre à la mise en œuvre méthodique des projets. Vous savez, moi, j'ai pris service au ministère des Infrastructures, au ministère des Travaux publics à l'époque, en 1998. Déjà en 2002, on parlait du projet contournement nord, mais avec une étude vraiment minimale. En 2002, on a cette étude qui ne nous permettait pas de lever du financement. Donc le projet était seulement dans les documents. En 2016, lorsque le président Patrice Talon a parlé du contournement nord, nous, étant les enfants de ce système-là, on voulait partir sur la même étude. Quand un beau matin, et c'est le moment de dire que le président, je ne sais pas comment il a pu bénéficier de la Providence pour avoir vraiment cette énergie pour travailler comme il le fait. Il suit les projets de façon millimétrée. Et ce matin-là, quand il a décidé, votre affaire d'études de 2002, mettez-moi ça à côté. Moi, je veux recruter un cabinet de renommée pour que nous ayons notre projet, pour avoir des éléments, pour pouvoir discuter avec des partenaires. Nous, on s'est dit, en fait, voilà une occasion pour retarder le projet. Mais à la fin, aujourd'hui, nous sommes très fiers. Les études sont terminées ou c'est toujours en cours? Les études sont terminées. C'est un projet en BOT. Ça veut dire quoi en BOT pour le Bénin d'Amboise? Bon, en fait, c'est le partenariat public-privé. On va recruter un concessionnaire qui va participer à la finalisation du projet, qui va réaliser le projet avec ses ressources, va exploiter le projet et va le remettre. Le transférer après. À l'État. D'accord. Ça veut dire que nous avons besoin de l'expertise du concessionnaire également pour améliorer le projet. Sinon, le travail que nous avons confié au cabinet Aegis, il est presque fini. Nous avons fait la préqualification, on a préqualifié 3 entreprises. Et normalement, si nous tenons le chronogramme, le 17 avril, nous allons remettre le dossier de consultation à ces 3 entreprises-là pour pouvoir les mettre en concurrence et retenir celle qui va nous aider à faire ce projet-là. Donc, pour le contournement nord, on peut dire que ça suit son cours. Qu'est-ce que ça va changer justement, dans le quotidien du Béninois? C'est un projet, comme son nom l'indique, qui permet de contourner la ville de Cotonou en partant de Calavi. Ça prend son ancrage au niveau du carrefour Pota, longe la berge La Guinée jusqu'au niveau du quartier Olakomé, et ensuite rentre dans les marécages, traverse la lagune de Cotonou, arrive au niveau du quartier que nous appelons Agbator. Et au niveau d'Agbator, il y aura deux bras. Le bras droit, que nous appelons le barreau, va permettre de relier ce contournement au port de Cotonou. Parce que si nous faisons ce contournement et nous n'arrivons pas à le relier
au port, nous n'avons rien fait. Donc il y a le barreau qui prend son ancrage au niveau de, du quartier Agbato et va longer le cimetière d'Akwakwa, va enjamber le, la route et au niveau de l'église catholique des Libanais. Là. Donc ça arrive là, il y aura un pont qui va traverser la lagune pour se retrouver au niveau donc, du boulevard de la Marina. Et lorsque ça arrive au niveau du boulevard de la Marina, nous avons un autre projet qui est la réhabilitation et la reconstruction du boulevard de la Marina, qui part du carrefour Erevan, là où chute la route des pêches, pour aller retrouver d'un côté à droite le pont, l'ancien pont, et de l'autre côté à gauche, d'un côté à gauche l'ancien pont, et de l'autre côté à droite le barreau qui va se raccorder. Et comment on appelle au contournement de la ville de Cotonou. Okay. Donc, de voilà, comme j'avais dit qu'il y a deux bras, un bras qui prend le barreau, et l'autre, ça continue, ça sort au niveau de Sekandi, ça longe la route de Port-Nouveau, et puis ça chute au carrefour de Saint-Mercredi. Donc, vous voyez que quand ce projet est réalisé, ça va régler énormément le problème de trafic, le problème de la fluidité du trafic dans la ville de Cotonou. Voilà. Et ça va permettre au port autonome de Cotonou d'être beaucoup plus compétitif que ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez également des projets pour les travailleurs de l'administration publique, les travailleurs du Bénin. On parle de la construction d'une cité administrative, on parle de la construction d'une cité ministérielle. Où est-ce que ces deux infrastructures seront installées, logées, et ça va servir à quoi? Merci, mais vous me permettrez de ne pas résister à ma tentation d'urbaniste, de souligner les qualités fonctionnelles dans le milieu urbain de ce contournement-là. Aujourd'hui, le Bénin est, je crois, le premier pays qui prend les dispositions réelles pour accueillir ce que nous appelons tous le corridor Abidjan-Lagos, qui est un grand corridor de déplacement rapide et qui va traverser Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou et qui va atterrir à Lagos. Okay. Et ce corridor est une voie rapide qui passe par la périphérie des villes. Cotonou est visiblement en avance. Et dans le même temps, on règle la question de la mobilité urbaine parce que les camions ne descendent plus en ville. Tant mieux, ça va permettre de mettre des bus, ça va permettre de mettre moins de circulation et les gens seront plus en sécurité en ville. Mais ça arrange aussi les camionneurs parce que le gain de temps en matière de transport est une dimension fondamentale. Mais ce sont ces mêmes axes-là qui desservent les différentes infrastructures que nous avons. Vous voyez comment nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a plusieurs ministères qui ont des composantes qui sont dans des bâtiments loués. Les bâtiments qui appartiennent à l'État ne sont même pas aujourd'hui en situation d'être rénovés parce que ça coûte trop cher. Le point fait montre que l'État paye près de 10 milliards de loyers par an. Si vous mettez 10 milliards sur la table à n'importe quel investisseur BOT, il peut vous sortir des bâtiments neufs. Vous rentrez dedans comme des locataires et vous payez un loyer pour récupérer votre bâtiment au bout de 15 ans. C'est ce que vous voulez faire pour les cités? C'est ce que nous sommes en train de faire. Okay. Donc nous aurons une cité ministérielle à Cotonou qui va regrouper les cabinets des ministres et les directions centrales. Entre l'annexe de la présidence et l'ambassade des États-Unis pour 10 blocs pour accommoder 20 ministères. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est la cité administrative qui est basé à Calavi, à Rossoubita. 16 bâtiments R plus 3. J'ai oublié de préciser que les bâtiments de la cité ministérielle, c'est 5 étages, ce que nous appelons R plus 5. À Calavi, nous sommes en zone où nous voulons garder une certaine dimension écologique de ce que nous construisons, l'aération et tout ça. Et là, nous aurons les cités, les directions techniques. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'intérêt de la chose. Oui. L'intérêt de la chose, c'est que vous retenez à Calavi des milliers de personnes qui s'engouffrent dans les embouteillages le matin et le soir pour venir travailler et rentrer chez eux. Avec, vraiment, nous n'aurons que les liens entre la cité ministérielle et la cité administrative, les liens de travail. Les gens iront tranquillement
Je vous parlais tout à l'heure des liens qui entre les différents projets. Vous voyez la cité de logement de Ouedo. Vous voyez la cité administrative et à Calavi, la cité ministérielle. Ouedo au milieu des deux. Nous faisons en même temps de la planification urbaine et de la gestion de la mobilité urbaine pour que ces cités-là. Aujourd'hui, la cité administrative a déjà un contrat signé avec Polytechnologie et va démarrer le 1er juillet. La DUP est bouclée, le préfet est en train de faire les diligences pour que l'arrêté de mise en consommation soit signé. La cité ministérielle, toutes les études sont terminées, le dossier de consultation des entreprises est livré. Mais nous avons fait le choix de BOOT, c'est-à-dire Built, Own, Operate and Transfer. Donc, quelqu'un construit pour notre compte, nous utilisons notre loyer pour le payer et nous habitons ça comme des locataires pendant 15 ans. Okay. Et puis ça devient la propriété de l'État. Au bout de 15 ans. Et donc, ça aussi, le dossier est prêt. Nous avons deux propositions de BOT sur notre table que nous sommes en train d'analyser. Et nous allons, le chef d'État souhaite qu'on ait la meilleure option possible. Ce chantier aussi va démarrer quand? Cette année. Comme cette année, vous avez dit 2018. Oui, 2018. Comme il ne s'agit pas d'appel d'offres. Et que c'est un BOT, donc c'est l'investisseur qui construit. Tout à fait. Les choses vont aller autrement. Mais on ne s'est pas arrêté à l'agglomération de Cotonou. Nous reprenons 12 cités administratives départementales. C'est-à-dire que préfecture et des blocs pour accommoder dans chaque chef-lieu de département 24 directions départementales, 24 directions provenant de tous les ministères. Donc vous aurez à Paubert, vous aurez à Dassar, vous aurez à Candy. À Porto-Novo aussi. À Porto-Novo aussi. Des cités administratives relativement cohérentes avec lesquelles on va construire des logements appropriés. Donc les directeurs n'auront pas de logements de fonction, mais ils auront des facilités pour accéder à des logements à de meilleurs taux, parce que offerts par l'État ou un opérateur qui gère les logements. Mais ils seront dans de meilleures situations. Donc ce programme de cité ministériel vise à moderniser le cadre de travail de l'administration publique béninoise. C'est un projet qui est entièrement bouclé. Les 12 cités sont également déjà dans un contrat avec Polytechnologie sur financement chinois. Et la cité administrative démarre en juillet et les cités départementales démarrent dans le dernier trimestre de 2018. Voilà le timing que nous avons retenu pour la cité. Alors vous voulez dire que d'ici là, il y a de l'emploi qui sera créé pour les concitoyens? Sur les 500 000 emplois annoncés par le PAG, le secteur du cadre de vie prend au minimum 150 000. Je crois que c'est un peu plus pour le secteur des infrastructures aussi. Faites le point. Nous n'avons pas commencé les travaux que nous nettoyons la plage avec 4 000 jeunes de façon sporadique, mais de façon permanente. Nous avons 500 jeunes qui nous gardent les 125 km de côte. C'est du jamais vu dans un pays. Depuis Lacondi jusqu'à Sémécraque, il y a des brigades de jeunes. Ça se poursuit. Et ça va continuer comme ça? Ça va continuer jusqu'à l'arrivée des aménagements balnéaires. C'est pour ça qu'on fait de la protection côtière. Vous savez qu'on a fait une étude globale, toujours dans la démarche rationnelle que préconise le président de la République. On a fait l'étude de toute la côte du Bénin. On a défini qu'il y avait trois zones critiques, Cotonou 2, phase. Là où un projet était inachevé et donc créait plus de problèmes qu'il ne résolvait vraiment. Les populations étaient stressées. Moi, j'ai pris fonction le 7 avril. Je suis tombé sur ce site-là deux semaines après. Le président a dit, avant un an, il va lancer. Ça a été lancé. Et vous l'avez vu, il a visité la dernière fois. C'était comme si, par hasard, les populations ne voulaient pas l'arracher et le porter au triomphe s'il ne s'est pas vite éclipsé. Le deuxième point, c'est Avlékété, qui a effectivement un problème d'érosion côtière, mais que nous avons transformé pour accueillir le programme de développement touristique. À Avlékété, nous allons remblayer notre plage. Nous allons construire une digue submergée et sur 4 km qui va accueillir des infrastructures hôtelières. On est déjà très avancé avec le Club Med. Nous sommes en discussion avec d'autres groupes pour que sur 4 km de plage, en liaison avec ce qui va se faire à Ouida pour le projet touristique, nous ayons des hôtels de haut standing et de moyen standing pouvant accommoder
tout le monde. Donc, le projet Avlekete aussi a commencé. Ils ont commencé là, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont commencé déjà l'approvisionnement en roche et la construction de la digue va commencer avant la fin de cette année. Alors, c'est prévu pour octobre, oui. La construction de la digue. Il reste le troisième point critique. Le troisième point critique, c'est Grand Popo. Disons précisément de la frontière de Ilakondi jusqu'à l'embouchure du fleuve Mono. Voilà. Et sur ce projet-là, la première chose que le chef de l'État a demandé de faire, c'est de commanditer une étude complète qu'on a commandité à, on a confié à, au bureau canadien Nordastello. Cette étude, nous allons la valider maintenant. Mais la Banque mondiale s'est saisie du dossier. Et nous avons le programme WACA, qui est le West African Coastal Adaptation, qui est un programme qui regroupe 6 pays, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Mauritanie et Comores. Et ce programme-là est un programme régional parce que, vous voyez, la question de l'érosion côtière sur certains bords est une question régionale. Il faut lui apporter, quand on est sur les frontières, des solutions régionales, simplement parce que ce qui s'est passé à Ilakondi, c'est parce qu'on a fait de la protection côtière jusqu'à Anéhor au Togo et qu'on n'a pas intégré la dynamique d'érosion que nous avons d'après l'Ilakondi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec le Togo et tous les autres pays dans un cadre où on réfléchit à des solutions plus durables. On est très avancé. Le ministre Biotiane et moi-même, nous étions à Washington l'année dernière pour discuter avec la Banque mondiale. Nous avons, en plus de la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement qui nous appuie. Il y a la Banque africaine de développement qui appuie également. Donc, le dernier point de protection côtière pour que nous soyons totalement à l'abri est en très bonne voie avec des partenaires très sûrs qui sont très engagés et vis-à-vis de la protection de la côte. Alors, vous avez parlé quand même de construction d'infrastructures au niveau de la plage, mais l'autre chose, tout à l'heure, M. Adjé parlait bien sûr de la route des pêches. Est-ce qu'on a pris la disposition pour permettre aux tortues de venir pondre? Parce que c'est aussi une source de devises pour notre économie. Le tourisme, ça passe aussi par là. La route des pêches a été réalisée en respectant les normes environnementales. Okay. Ce projet a bénéficié d'une étude d'impact environnemental et social. Ce projet a eu régulièrement son certificat de conformité environnementale. Donc, toutes les précautions sont prises. Vous allez voir le retrait de la voie selon les zones. Vous savez que le projet de la route des pêches, c'est en 3 zones différentes. Il y a la zone qui est déjà occupée par les populations, il y a la zone de développement touristique, et puis il y a la zone où nous rentrons vraiment dans un secteur de préservation de nos ressources naturelles comme les mangroves et tout ce qui va avec. Donc tout ça est respecté pour que la route ne dérange pas. À cause des infrastructures touristiques, le type de voie que nous faisons entre en Douka et Ouida change. Nous rentrons dans le style de route de plaisance qui est plus adapté pour desservir une zone touristique. Okay. Et non une route qui amène de la vitesse à temps. Mmh. Voilà. Tout ça, c'est ça l'intérêt des études. Et de faire venir des gens qui savent et qui ont déjà fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout le PAG, si vous développez son cadre logique, se tient. Si vous enlevez un projet, le PAG est déséquilibré. Mmh. Voilà la façon dont la réflexion. On va vous arracher un mot sur le cadastre national, monsieur le ministre. Qu'en est-il exactement? Le cadastre national évolue très bien. Ça fait partie des toutes premières décisions que le chef de l'État a prises. Le cadastre est une carte, cette fois-ci numérique, à laquelle on attache des informations liées à chaque parcelle. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une parcelle, vous saurez qui est le propriétaire. Okay. Hein? Vous saurez quel type d'installation il y a dessus. Mais vous aurez aussi l'historique de cette parcelle-là. Qui a été le premier propriétaire? Qui sont les vendeurs ou les propriétaires qui se sont suivis? Est-ce qu'il y a eu un litige dessus? Vous avez l'historique de la parcelle. Et pour donner un exemple sur l'efficacité du cadastre, vous voyez un peu ce qu'on fait quand on fait le projet d'infrastructure. On identifie les personnes affectées par le projet. On prend des opérateurs géomètres. On va sur le terrain. On fait un levé. On demande aux gens de venir s'inscrire. On prend les noms. On discute avec eux. On calcule les superficies. Quand vous entrez dans un projet de route, selon le linéaire que vous avez à faire, ça peut vous prendre 6 mois, 1 an et plus des fois. Mais quand vous avez un cadastre numérisé comme le Bénin est en train de faire,
Et c'est ça aussi qui apporte la célérité et la modernité. Okay. Vous cliquez sur les limites et en deux jours, tout ce travail de 6 mois est bouclé. Vous avez tous les propriétaires, vous avez toutes les surfaces, vous avez le coût, et puis vous définir, c'est clairement la valeur du dédommagement. Okay. Directement à l'ordinateur. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire. Et vous n'avez plus besoin de trimballer avec vous un papier pour dire ça, c'est mon titre foncier. Voilà. Si vous avez un titre foncier, il suffit qu'on clique dessus. On vérifie. Vous savez qu'à Londres, quand vous voulez acheter un terrain, il y a un site où le gars vous donne le numéro du terrain. Vous, avec votre smartphone, vous rentrez le numéro qu'il vous a donné. Vous vérifiez si c'est lui le propriétaire tout de suite. Vous vérifiez la superficie. Nous voulons arriver à ce genre de document, cet instrument. Vous voyez à quel rythme va le ravir. Tout ça est lié. Okay. Tout ça est lié. Le cadastre est un travail de fourmi. Il va prendre le mandat. On va commencer à traiter d'abord les zones urbaines, c'est ce qu'on est en train de faire. Cotonou est totalement calé déjà. On va attaquer Ouida, Porto Nouveau, ainsi de suite. Mais tout le territoire est prévu d'être couvert par le cadastre national avant la fin du mandat. Alors on ira rapidement, monsieur Ayadi. Quand vous prenez la voie Saint-Mépoil à Porto Nouveau, il y a une seule entrée pour la capitale de notre pays. Est-ce qu'il y a des infrastructures prévues à ce niveau aussi pour entrer dans la ville capitale? Bien sûr. Bon. Au titre des études, en instant de démarrage, il y a l'autoroute Saint-Mé-Porte Nouveau qui comporte un nouveau pont sur le fleuve Ouémé. Dans cette étude, si vous avez suivi les conclusions du Conseil des ministres, vous aurez entendu que un cabinet international a été recruté pour faire quand même cette étude-là. Donc voilà, c'est dit quand même que c'est un projet, l'un des projets phares du PAG. Du PAG et dont l'étude va démarrer dans les semaines à venir pour que les travaux également puissent démarrer. Parce que avant même que ces études ne démarrent, nous avons déjà des entreprises de grande renommée qui bouscule pour prendre le marché. Il y a aussi un vieux projet, la rocade de Porto Nouveau. Vieux projet, c'est pas pourquoi vous dites que c'est un vieux projet. Parce que j'en ai entendu parler depuis longtemps. Oui, comme vous avez entendu parler de Kéréoumbani-Kouara depuis 20 ans et qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire. Tout à fait. Parce que là, on appelle d'offres pour faire ce projet qui parle de Bani-Kouara pour aller à Kérémou jusqu'à la frontière du Burkina sera chose faite d'ici quelques années et avec un début de démarrage dans les mois à venir. Donc, là, au cas de Porto Nouveau, ça fait partie d'un ensemble d'AS qu'on avait confié, sinon que nous avons hérité, confié à une entreprise sud-africaine, Stefanuti, qui a disparu avec le temps. Et que nous avons finalement fait recours à Offmas International pour réaliser ce projet. Mais on est en train de tester Offmas. On lui a d'abord donné Porto Nouveau à Commissarité plus Kobe à Diawara Winki, ce qui fait une partie de l'ensemble des marchés qui lui ont été confiés. Si ça se passe très bien, eh bien, il le reste. Mais si ça ne se passe pas comme on le souhaite, on va faire appel à d'autres pour le faire. Donc, ce n'est pas un vieux projet, c'est un projet qui... Alors, M. le ministre, on va parler maintenant du changement climatique. C'est vrai que votre département aussi a fait beaucoup de choses à ce niveau. Oui, le projet local est un projet qui démontre que la lutte contre le changement climatique se fait à la base, avec les collectivités locales, avec la gouvernance locale. Donc, les ressources que nous mettons à la disposition du Fonds national pour l'environnement et le climat. Et là, j'ai une bonne nouvelle parce que le fonds, le FNEC a passé son avant-dernier test sur la route de l'accréditation au Fonds vert pour le climat. Okay. Nous allons avoir des ressources. Donc, cette semaine, nous avons eu l'annonce que l'examen FMCA, qui l'appelle, Financial Management Capacity Assessment, a été passé avec beaucoup de succès par le FNEC. Mmh. C'est une victoire. Quand vous passez le FMCA, vous n'avez plus de difficultés pour
accéder à l'accréditation. Notre bras armé sur le front de la lutte aux côtés des communes contre le changement climatique, c'est le FNEC. Nous avons 6 communes dans le Nord. Nous avons des discussions avec le PNUD pour... Actuellement, nous avons 2 projets sur la table du Fonds vert qui font à peu près 40 millions de dollars pour construire des infrastructures résilientes à Malanville et à Karimoma. Mais l'objectif 2019, c'est de passer de 6 à 74 communes. Okay. Pourquoi 74 communes? Nous avons exclu les 3 communes à statut particulier qui ont besoin d'un autre type de projet, comme le PAVIC que vous avez vu, le programme d'adaptation des villes au changement climatique, ou comme le PNVV, qui est le projet Porte Nouveau Ville Verte. Ces projets-là s'occupent déjà du changement climatique dans les grandes villes. Donc nous souhaitons que le FNEC ait suffisamment de moyens pour accompagner les 74 autres communes du Bénin dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons une loi, c'est une indication de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous avons un projet de loi, une proposition de loi sur la table des députés sur les changements climatiques. Nous avons la loi 4 sur l'environnement qui est en cours de révision, également, qui est avancée. Et ce matin, je devais être à l'Assemblée pour défendre la loi 4 sur l'aménagement du littoral, qui est une exigence de la Banque mondiale pour financer le projet de protection côtière dont je vous ai parlé. Tout à fait. Vous voyez pourquoi je cavale pour tout ça. Et c'est tout ça là est assez bien articulé. Nous continuons de combattre sur ce terrain. On va accorder quelques secondes. Pourquoi pas, Monsieur Jacques Ayadi. Allez-y rapidement, ça y est, parce que le temps est déjà fini. Bon, il faut quand même rassurer les populations des deux capés que Kota Kwande et Penko Fouboure a un marché déjà signé et que ça fera l'objet de lancement dans les jours qui viennent. Il faut également rassurer les populations de Sinandé que Guessou Sud, Fouboure, Sinandé fait l'objet de préoccupations au niveau du gouvernement, que nous avons entamé des négociations qui sont arrivées à un niveau qui n'attendent que l'approbation du Conseil des ministres pour que ces travaux démarrent. Il faut que les populations de Djougou jusqu'à Banikwara comprennent que ce projet également, le petit goulot d'étranglement que nous avons au niveau de la BAD a été réglé et que d'ici à là, ça aura une suite favorable. Oui. Et je ne culterai pas le projet qui a fait l'objet de signature par le ministre d'État à Abou Dhabi Tchané à Tunis au début du mois d'avril, à savoir Beroubwe, Kandi, Malanville, sur le financement de la BID et de l'OFID. Je pense que tout ça mis ensemble fera que l'effort dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, cet effort sera concrétisé et en 2021, il n'y a pas de doute que ce programme d'action du gouvernement soit exécuté à un pourcentage qui avoisine les 100%. Nous n'allons jamais faire des sauts dans l'inconnu. Des sauts dans l'inconnu, c'est qu'aucune pression populaire ne peut nous amener à entamer des grands travaux sans étude. Parce que lorsque vous entamez des grands travaux sans étude, c'est les 7 mois que nous avons eu au niveau du pont de Ouamé, du bas-fond de Ouamé qu'on a. Si on démarre des grands travaux sans études, c'est l'ouvrage qui a su Kobe à Djaware Winki qu'on aurait dû changer, qu'on a maintenu aujourd'hui, que nous sommes en train de régler. C'est ces problèmes-là que nous avons. Donc, nous, avec tout le respect que nous devons aux populations, nous devons prendre toutes les dispositions pour que les ouvrages qu'on met à leur disposition soient des ouvrages durable, des ouvrages sécurisés. Merci beaucoup, M. Ayadi. Merci, M. le ministre. Vous avez vu que 90 minutes, ça n'a pas suffi. Vraiment, pour dire tout ce que vous faites au niveau de votre département, c'est trop grand. Trop grand aussi, M. Ayadi. J'espère qu'on aura d'autres créneaux pour revenir dans ce studio parler davantage. Merci d'avoir suivi. Merci, Christian, bien sûr. Merci, William.